Salut, c'est Megadriver 16. On se retrouve pour la deuxième partie de mon défi maillot blanc avec Mentes, le jeune grimpeur sud-africain de la MTN Kubeka. Pour ceux qui ont suivi la première moitié de ce défi maillot blanc, donc la première partie de ce Tour de France 2015, eh bien on est pas mal hein, pour le moment avec Mentes. On est plutôt bien positionné pour envisager la victoire sur ce maillot blanc, hein, pas le classement général bien sûr, mais en tout cas pour décrocher enfin ce maillot blanc après les deux échecs successifs que j'avais subis avec Kelderman et Adam Yates dans ces tentatives de défi maillot blanc. Là c'est plutôt bien engagé avec un Thibaut Pinot un petit peu moins fort que sur mes deux tentatives précédentes, donc c'est vraiment de bon augure, et un Quintana qui a perdu quand même, comme d'habitude, hein, pas mal de temps, alors que normalement c'est le grand favori de ce maillot blanc, dans la réalité en tout cas. Donc là, on est plutôt pas mal parti. On va se retrouver sur la fin de ce Tour de France en espérant que d'ici là, sur les petits résumés que je vais vous proposer, eh bien Mentes s'en soit bien sorti et se présente sur les Champs-Élysées dans les meilleures dispositions possibles pour gagner enfin ce maillot blanc. On se retrouve à la fin sur les Champs. L'homme de tête devrait bientôt apercevoir la flamme rouge. Il ne doit pas fléchir. Il est toujours sous la menace du contre. Vas-y, petit blanc. Échappé sous la flamme rouge. Elle doit bien gérer la bosse pour essayer de gagner. Voici le vainqueur de l'étape, Murray Rodez. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Martin fait incontestablement partie des meilleurs punchers du peloton, mais attention aussi à lui en montagne. C'est un excellent grimpeur puncher capable de faire la différence sur chaque accélération. C'est passé en tête du grimpeur, c'est bien. Oh, il passe maintenant l'offensive. Peut-être il y a quelques minutes, voici le vainqueur de l'étape, Rodez Mende. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Thank you.
savourer. Il est intéressé pour le maillot à pois ou la victoire d'étape, mais il peut aussi devenir équipé de luxe. Allez, allez, allez. Il va faire rouler son équipe derrière toi, mais faut tenter. Et maintenant, ça descend jusqu'à l'arrivée. Allez, Fabien! Allez, allez, Rambo! Le maillot jaune attaque. L'échappé est à 1 km de la ligne d'arrivée.
coureurs devront notamment se méfier de sa deuxième partie qui comporte de nombreux virages en épingle. Je veux que vous rouliez derrière lui. Il est dangereux pour le classement général. Je ne sais pas si c'est du bluff, mais l'échappée a l'air d'augmenter le rythme en tête de course. La descente qui emmène les coureurs vers Bourg-d'Oisans est longue. Nous devons rester attentifs d'ailleurs, car il y a quelques virages techniques à négocier, notamment dans la première partie. Il lance le sprint pour le grimpeur. Sa meilleure chance de... plus à les rendre au Valverde, un puncheur, grimpeur aux multiples victoires d'étape sur les grands tours, mais aussi sur les classiques ardennaises. Chaleureusement, voici le vainqueur de l'étape des Champs-Élysées. Eban Boissenagen, effectivement.
On se retrouve sur la fin de ce Tour de France avec double satisfaction. D'abord, regardez-moi, Boassanhagen qui a fait une attaque à 10 km de l'arrivée quand le peloton a récupéré les échappés du jour. Et avec sa résistance, il a réussi à aller au bout comme vous avez pu le constater alors que Mentes était tranquillement dans le peloton avec son maillot blanc. Puisqu'effectivement, on a réussi le défi du maillot blanc. Il peut enfin savourer on salue quand même Alejandro Valverde qui a été impressionnant à la fin des Alpes, hein, qui a pris le maillot jaune des épaules de Froome. Il y a eu un grand trio de combats entre Nibali, Valverde et Froome pendant tout ce Tour de France. Et c'est Valverde qui s'en tire vainqueur. Tandis que Greipel remporte le maillot vert, effectivement, le coureur, le sprinter allemand de l'Autosudal. Au niveau du maillot à poids, ça doit être Christopher Froome, je pense. C'est une petite récompense, alors qu'il espérait bien mieux, sûrement. Et il a été longtemps, en plus, maillot jaune de ce tour. Mais vraiment, la Toussuire et l'Alpe d'Huez, avec les numéros impressionnants de Valverde, l'ont empêché de remporter ce tour. Et voilà, enfin, le premier défi maillot blanc que je réussis, c'est avec Mientes qui a profité des contre-performances de Pinot dans un premier lieu et du Quintana, mais là on est un petit peu plus habitué, même s'il a mieux assuré dans les Alpes, mais il avait déjà accumulé trop de retard. Et donc, mon jeune grimpeur sud-africain qui remporte ce maillot blanc. Alors là, quoi, on a une mission or, gagner 100 000 euros pendant un Tour de France. Bon, très bien. On a réussi ce petit défi, tant mieux. J'ai appuyé sur A, normalement, ça devrait continuer. Voilà. Et donc, double satisfaction, la victoire de table de Boassanhagen, et ce n'était pas sa première. Comme vous avez pu voir, il en avait remporté une déjà à Rodez, en partant aussi à peut-être 8 km de l'arrivée, je ne sais plus exactement quand est-ce que je l'avais fait attaquer, mais avec ses qualités de finisseur, il avait réussi à récupérer l'échappée du jour et à s'imposer à Rodez. Et d'ailleurs, en termes de victoire d'étape, on a vraiment été pas mal sur ce défi maillot blanc, puisqu'on en a 4 au total. 2 pour Boassanhagen, Rodez et ici à Paris-Champs-Élysées, la plus prestigieuse. Et Mientes, le maillot blanc, qui s'est imposé, comme on l'avait vu dans la première vidéo, à Mur de Bretagne, et qui s'est à nouveau imposé à Mende. Ça avait été une belle victoire d'étape aussi. On avait failli également à Gap, mais on était tombé sur un Rodriguez en excellente forme. Donc 4 victoires d'étape, c'est vraiment très très bien pour ce défi maillot blanc. On regarde le classement général avec Valverde qui s'impose, et vu ce qu'il a fait dans les Alpes, c'est énorme les écarts qu'il a créés, puisque à l'entrée des Alpes, je crois qu'ils étaient tous les trois là, Valverde, Froome, Nibali, ils se tenaient en moins d'une minute. Et Mentes, qui fait pas mieux que quatrième, c'est ma meilleure place au défi maillot blanc, parce que j'avais fait 2 fois cinquième avec Yates et Kelderman. Et là, on gagne une place, on est quatrième et surtout, on est meilleur jeune, bien évidemment. Mais on est un petit peu loin. J'ai cru à un moment pouvoir me battre sur le podium, mais non, ça n'a pas pu le faire. En tout cas, quatrième de ce Tour de France, avec un Quintana, le deuxième meilleur jeune, cinquième. Barguil, qui a longtemps été mon dauphin en maillot blanc, qui finit septième finalement. Et Pinot qui ne fait que dixième. Au niveau du maillot à poids, donc, on a vu Froome, Mientes qui fait quatrième. Au maillot vert, Greipel qui s'impose, on a vu Mientes avec ses 2 victoires d'étape et ses palaces d'honneur à répétition. Il a fait souvent top 10 dans ce Tour de France. Et bien, il est quand même 5e et Boassanhagen 7e. Maillot blanc, et bien voilà. Là, ça a été en plus relativement aisé quand on regarde les écarts. Ça n'a pas été sur le terrain, bien évidemment, mais Mentes qui s'impose devant Quintana finalement. 9,44 devant, donc ça a été quand même un gros écart. Barguil qui peut nourrir des regrets, il était deuxième à l'entente de ce classement maillot blanc. Thibaut Pinot quatrième de ce classement maillot blanc. Et Romain Bardet à la 5e place. On retrouve mes anciennes tentatives de défi maillot blanc. La 7e place à Damiette, c'est 8e place pour Kelderman, mais bien loin, presque à 1 heure. La meilleure équipe remportée par la Sky, chez nous, là, on fait Mtn Kubeka, on fait 9e. Et la combativité, c'est Gaudin
Moi, je ne sais même pas où sont mes coureurs. C'est Jay Cummings, voilà, à 22e place. En tout cas, voilà pour ce défi, ce troisième défi maillot blanc. Enfin, la première réussite dans ce défi. Avec une prime cumulée, c'est anecdotique, de 171 360, mais ça nous permet d'avoir débloqué une mission or, donc. Et j'espère que ce défi vous a plu. En tout cas, moi, ça a été sympathique à jouer, ça s'est bien goupillé. On accroche enfin une première réussite sur ces défis maillot blanc. Alors, je pense que pour l'avenir, je tenterai bien avec Haru quand même. Alors là, j'espère bien, sauf si je tombe sur un Pinot Quintana exceptionnel, j'espère bien pouvoir le réussir aussi. Avec son 79 en montagne, même s'il est mauvais en pavé, mais bon, on a vu qu'on pouvait quand même passer, même si on était mauvais en pavé, que ça, la preuve ici avec Mentes. Et le deuxième objectif sera quand même de faire un podium avec Haru, hein, quand je tenterai mon défi maillot blanc. Ce sera les objectifs maillot blanc et quand même podium, hein, j'aimerais bien l'accrocher. Donc voilà, pour ce troisième défi maillot blanc, je vous dis à plus tard.